Bon bah du coup c'est parti, on va lancer pour le petit test du Gohan et l'air les bros, et ça, ça fait plaisir. On va voir ce qu'il donne contre Jubai Kaioken. Allez Naïsou, deuxième test du Gohan et l'air. Tout à l'heure on a été amplement satisfait. Par contre tout à l'heure il était SP12 il me semble, là il est SP10, il va taper un petit peu moins fort. Mais bon, on se fait pas trop de soucis, ça devrait aller. 150 000 HP, c'est correct. C'est correct, c'est correct, sachant que j'ai quasiment aucun perso TUR en fait. J'ai que le Gohan et l'Ultimate. Adri met le Trunks SR Int, il donne qui plus 2 pour le... Ah oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre le Trunks SR Intelligent, j'avais zappé ça. Le pauvre Dubai, vous allez voir qu'il met cher. Hein. Bah, en fait, il met aussi cher que Goku SSJ4 en gros. Quoi. En gros, il tape aussi fort que Goku SSJ4. Bon, d'accord. Je crois qu'il y a que Ultimate Gohan qui a pris des kills. Ouais, non, mais Mai, je voulais la prendre juste pour stun en fait. Est-ce que je vais pouvoir partir en SP avec le Gohan là? Ouais, je pense que les... si je prends les ki ici, je pense que les ki vont bien tomber, les ki verts. Nice. Perfecto. Allez, la première SP est lancée, le Gohan TUR. Mais t'as eu des doublons, de quoi tu parles gros? T'es mon youtubeur de canne préféré, merci Blister, ça fait plaisir. Donc le Vegeto Blue il est ici parce que j'ai pas mieux hein, les gars. J'aime bien ton nouveau overlay, merci bro, moi aussi, je suis hyper fan. La petite SP à 136 000, pas mal. Pas mal, pas mal. Yo Abel. Ouh, 172 000 le Goku quand même. Putain. Alors le Gohan TUR, il est SP1 les mecs. Il est SP1 et regardez les dégâts déjà qui nous claquent en SP1. Déjà un petit 270 000, ça fait plaisir. Bon après là on a l'avantage du type. Bon là il est mort normalement. Hop. Alors à condition de pouvoir partir en SP en fait. Allez, première attaque du Gohan, les bros. C'est. Attends, c'est quoi le mieux? C'est ça le mieux, non? Vu qu'il y a une boule de ki en plus, là, ça fait. Alors, ça fait 3, 6, 8, 10. Et ici, ça fait 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est mieux de prendre cela. Ok, bah, je pense vraiment qu'il est mort, mais bon, on verra bien. Tu es en x1. Ouais, j'ai vu que j'étais en x1, les bros, c'est parce que je viens de faire la migration. Je vais mettre en x2. Je vais mettre en x2 quand je pourrai. Pour ça, faut lancer une auto-attaque. T'es trop fort, Fitzadri. Merci, Mohamed. C'est gentil. C'est gentil, mon pote. Donc, l'Ultimate Gohan qui met une petite gifle à 150 000. Pas mal, mais bon, les vrais dégâts sont là, quoi. x2 SVP. Ouais, je vais mettre en x2. Je vais mettre en x2, les gars. Ça change pas grand chose. Vous savez que ça soit en x2 ou en x1. Je vais mettre le x2. J'ai compris. Hop. Elle est magnifique, l'aspect. Franchement, il y a juste cet effet de zoom là qui est pas folichon. Sinon, le reste, elle est magnifique, quoi. J'adore. Un petit 885 000, sachant que j'ai pas du tout pris l'aspect max là. Hein. L'aspect max aurait tapé bien plus fort, les bros. MDR, regarde-moi ce haters de sucre dans le chat. Hop. Là, par contre, la rotation elle est pas folichonne. Alors, ça serait bien que j'arrive à lancer une auto-attaque en fait. Je crois que je vais faire exprès de lancer une auto-attaque hein, parce que. Le Gohan et l'air, je l'ai mis en dernière position tout à l'heure. Non, c'était le C13 en dernière position, donc lui, on va le virer de la rotation. Hop, vas-y, je fais exprès de faire une auto-attaque, comme ça, je peux régler la vitesse. 1, 2, 3, viva Fitzadri. A chaque fois que t'en drop un, tu le dis. Nice. C'est bon, j'ai mis un x2. T'as mis de l'argent dans ce compte? Nope. Pas encore, mais je pense qu'il y a moyen que je finisse par en mettre, parce que... c'est pas impossible que ce compte-là, un jour, il devienne mieux que mon vrai compte, hein, vu que dans mon vrai compte, j'ai mis que 40 euros actuellement. Salut, les potes. Ça va, Kirito et toi? L'aspect est tellement moche. Bah, moi, je le trouve super belle, l'aspect. Il y a juste le zoom que je trouve... En fait, je comprends pas pourquoi ils ont mis ce zoom, là. C'est une idée très bizarre, je trouve. Bon, ce qui est bien avec le Gohan aussi, les bros, c'est qu'il a pas mal de défense, hein. Il a pas mal de défense, vous voyez, 20k défense là, sachant que en fait, bah, mon Gohan à moi est pas TUR, sinon il y aurait plus de défense. Quoi. Donc c'est pas dégueulasse. Et là, je pense qu'il est mort à ce tour-ci.
Vous voyez les auto-attaques, je prends que du 8000. En fait, c'est ça qui est moche là. Sinon, le reste, l'aspect à biche quoi. Ah, il part en spé, combien il met en spé? Ça m'intéresse ça. 40 000. Ça va, je suis large. Vas-tu faire des conventions? Oui. Oui, 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 il est bon. Je sais pas comment on fait pour Whis sur. Je sais même pas comment on fait pour Whis sur Memu. J'espère que j'aurai pas besoin de Whis. Ouais, le zoom c'est pour donner l'impression qu'on avance, mais c'est loupé. J'aurais préféré qu'il fasse même pas ça en fait. J'aurais préféré qu'il laisse le truc sans cette impression là quoi. Enfin, moi je trouve ça loupé. Après, il y a peut-être. Oh là là, j'ai envie de garder tout là. J'ai envie de garder tout ça pour Gohan. Ah, mais je peux pas, putain. Si, peut-être que je peux. Est-ce que je claquerai pas un premier ghost là? Je claque un ghost et je fais ça. Je prends que les qui à gauche. Oh putain, il y a un qui violet qui va tomber. Non, ça va, je crois que je peux juste prendre le qui violet qui est là. Nice. Il y a pas mal de qui violet là pour Gohan et l'air. Il y aurait peut-être moyen de mettre une gif tout à l'heure. C'est vrai que la texpé a duré longtemps. Adri pour Whis sur Memu. Ouais, j'ai bien checké là, c'est celui-là. Enfin, oui, vous le voyez pas vous. Bon, moi je vois. Ok, donc là on devrait pouvoir mettre une gifle normalement, non? Là ça sent la gifle là. Allez, c'est parti. Bon, le problème c'est que son attaque s'est pas stacké en fait par rapport à tout à l'heure, vu que là c'est une nouvelle phase. Comment ils font pour avoir le Gohan et l'air? Et ils sont forts. Tu farmes quoi? Je farme Jubai Kaioken gros. Pour pouvoir l'éveiller. Enfin, pour pouvoir éveiller mon. Regardez ça, 1 million 2 quoi. Mmh. Regardez ça. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui fait mal? C'est un délire. Imaginez en SP20 les gars. Imaginez en SP20 quand il a déjà lancé une SP. Et avec double Gohan et l'air, ça doit être un délire. Franchement, les dégâts doivent être insane. Non, franchement, les bros, j'adore. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, les gars, pour le Gohan et l'air, parce que là, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose, le Gohan et l'air. Et en plus, le Goku a stun. On lui laisse aucune chance, les gars. Bon, peut-être que cette fois-ci, je vais réussir à partir en Dokkan mode avec Gohan. Ça serait bien. Grosse tatane, ouais, grosse tatane. C'est rien, 1,2 million, les SJ4 font aussi ça. Bah, enfin non, Vegeta il fait pas ça déjà hors coup critique. Et s'il fait autant de dégâts que les SJ4, c'est très très bien mec. Je vois pas pourquoi tu dis ça en fait. Donc là on va essayer de pas trop prendre les kits de la même couleur. Parce que sinon, je vais être en PLS. Et je vais partir en Dokkan mode trop vite. Alors je n'en ai point du tout envie. En fait, faut pas que je parte au Dokkan mode au prochain tour, quoi. C'est juste ça. Ah mince, j'ai oublié le pouce bleu. Désolé, mec. Y'a pas de soucis, bro. Ouais, Vegito Blue, il fait 0 dégâts quand il n'y a pas de Dokkan, sans te dire. Mais ouais, déjà 7000 abonnés, ça monte vite. Hein. Ça monte très très vite. Ah, Vegeta SSJ4, c'est plutôt ça, les dégâts qu'il fait en général. Hop. Là, pas partir en Dokkan mode, ça va être un peu chaud, non? Faut que je prenne les qui violets avec... On met un petit Enma. On prend les ki jaunes là, comme ça. Faut que je prenne tous les ki violets. Putain, j'aimerais bien garder tout ça pour Gohan, en fait. Oh, je vais partir en Dokkan mode, là, non? Ouais, bah non. Faut que je whisse, les bros. Putain, relou, ça. Faut que je whisse et faut que je parte pas en spé. Je sais pas si c'était possible de pas partir en spé, mais faut que j'essaye, quoi. Faut que j'essaye. Hop. Hop là. Comment on fait pour mettre mon compte sur un autre tel STP? Bah tu fais une migration poteau. Soit avec un code, soit avec Facebook. Bon les gars, faut pas que je parte en SP avec Gohan en fait. Est-ce que c'était possible de ne pas partir en SP?
Je sais pas en fait. Franchement, je sais pas du tout. Prends la boule tout à droite. S'il y avait moyen, vous pensez? Je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Je crois que c'est possible. Prends toutes les orbes à droite. Vas-y, il faut que je fasse ça alors. Lourd l'overlay. Merci, poteau. Je peux pas dézoomer la cam. Si, je dois pouvoir, mais je ferai ça plus tard, les bros. Là, c'est pas très important. C'est, regarde, en fait, c'est pas ma tête qu'il faut regarder, c'est le jeu. Ouais, le 2K de mode en LR, ça, à mon avis, il y a moyen que ça soit marrant, ouais. Le 2K de mode avec le Guan LR, je pense qu'il y a moyen que ça soit marrant. Surtout s'il y a toutes les boules violettes qu'il y avait, là. Bon, apparemment, si je prends toutes les boules à droite, vous êtes plusieurs à me dire que je pars pas en SP. Enfin, que je pars pas en... Ouais, que je pars pas en SP. En fait, à la rigueur, du coup, je peux prendre la violette, je m'en fous. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment... Ah, mettez main, lui, il part en SP instant. Voilà, donc comme ça, c'est bon. Ah, mais du coup, l'équipe violet, ça va se mettre un peu moins bien que ça aurait pu se mettre, quoi. C'est juste ça qui est dommage. Faut pas oublier d'utiliser le roi Inma, sinon on meurt. Oh là là, les... Oh, le prochain tour, on va mettre une gifle. Oh, oh les bros, vous êtes pas prêts pour la gifle, je crois. Je crois que je suis pas prêt, mon dieu. T'es plus beau que le jeu, merde. J'ai pris cher, là. Il m'a lancé une spé ou quoi, pour que je prenne autant de dégâts? En fait, ton compte Dokkan Battle, tu peux le lier à Facebook, tout simplement. Bon, je me soigne au cas où il est pas mort, mais franchement, peut-être qu'il y a moyen qu'il soit mort, hein, c'est pas impossible. Oh, ça va piquer. Je pense qu'il y a moyen que ça pique un peu, les bros. Oh là là, ça, je pense, oh, je vais le démonter là. Perfect. C'est parti les bros. C'est parti. Allez, allez, qu'est-ce qu'il va nous mettre le Gohan? Le Gohan LR, peut-être le premier Dokkan mode même qu'on peut voir sur YouTube avec le Gohan LR, je sais pas. Ah, je pense qu'il va mettre cher. Hein. Je pense qu'il va mettre cher. Boum! Allez, rentre chez toi, mon gars! Et ça, c'est fait! Nice! Le Gohan LR, il est présent, les gars! SP10, imaginez le SP20 avec un double Gohan LR, là, ce qu'il aurait mis. Putain! Et en plus, l'ASP était même pas stacké, là. C'était sa première SP. Imaginez-le, il stack l'ASP. Mais c'est un monstre, les gars! C'est un monstre de puissance. Imaginez en coup critique avec la montée et tout. Mais alors là, ça serait un délire. Oh là là, qu'est-ce qu'il est violent, putain! C'est un truc de ouf! J'adore. J'adore, c'est tout.